السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Toujours dans cette série, les étapes de l'au-delà. Lors du dernier cours, nous avions parlé de l'état de ceux qui ne croient pas en Allah Subhanahu wa Ta'ala le jour du jugement. Aujourd'hui, l'on va parler de l'état des musulmans. Quelle sera la situation des musulmans le jour du jugement? notamment dans la terre du rassemblement. Quant aux musulmans, ils sont de deux sortes. Il y a ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala qui commettent des péchés et il y a les pieux et les vertueux. Quant à la première catégorie, de ceux qui sont musulmans, qui croient en Allah et en son envoyé, والسلام, mais ont commis des péchés qui les plongent dans les tourments du jour dernier. Et ils seront... Leur situation dépendra des péchés qu'ils ont commis, ainsi de nombreux textes dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, nous détaille la situation et le cas de ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et quel sera leur châtiment le jour dernier avant que quiconque n'entre en enfer ou au paradis. Et en fonction des péchés qu'ils ont commis, Allah subhanahu wa ta'ala les châtira proportionnellement à leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, l'état de ceux qui n'auront pas donné la zakat, l'aumône. Beaucoup de textes viennent prouver que celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat aura un châtiment particulier le jour du jugement. Tout d'abord, celui qui ne donne pas sa zaquette, celui qui ne, donne, qui, qui ne donne pas la zakat de son argent, ses biens viendront le jour du jugement sous la forme d'un serpent à la tête lisse qui l'entourera autour de son cou et le saisira par ses mâchoires. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans son noble livre ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. كسوكي gard avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce, c'est-à-dire ce qu'Allah leur donne comme richesse, que cela ne compte pas ceci comme bon pour eux, qui ne considèrent pas que c'est bon pour eux de se refuser à donner la zakat obligatoire. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et cette chose qui sera autour de son cou sera un serpent, comme l'a dit le prophète dans le hadith. أبو هريرة رضي الله عنه غاب الإمام البخاري نص الصحيح الخفاة عليه الصلاة والسلام dit, من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا قوله تعالى {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض} Wallahu bima khabir. Il dit à Allah, celui à qui Allah a donné un bien et dont il n'a pas donné la zakat, ce bien viendra alors, le jour du jugement, viendra dans l'image d'un serpent à la tête lisse qui aura deux points noirs au dessus des yeux, ou deux excroissances noires au dessus des yeux. Ce serpent s'enroulera autour de son cou, et il le saisira par sa mâchoire, et il lui dira Anamaluk, je suis, anakanzouk je suis tes biens, je suis ton trésor. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, puis le prophète a lu le verset 182 surat al-Imran que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par grâce ne comptent point cela comme bon jusqu'à la fin du verset que nous avons vu précédemment. Dans ce hadith, le prophète a caractérisé ce serpent comme ayant la tête lisse qui ne comporte pas de poils ou autres, et ceci, comme le disent les savants, de par la grande quantité de poison qu'il renferme en lui. Ceux qui s'abstiennent également de sortir la zaquette sur l'or et l'argent qu'ils possèdent. Eh bien, cet or et cet argent seront des plaques de feu qui le châtiront le jour du jugement. Et si la personne a des animaux, comme des chameaux, des vaches, des ovins, des bovins, et pour qui la zakat. Doit être sorti alors من الأرض، فإنه الله سبحانه وتعالى قال: إذاً: إذاً: إن l'argent و يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, qui le gardent et qui n'en Et ne les dépense pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Annonce, ô Muhammad, à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où, c'est-à-dire ces trésors dont la zakat n'a pas été prélevée, seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer. Et quand seront brûlés leurs fronts, leurs flancs, leurs dos, voici ce que vous thésaurisiez pour vous-mêmes. Goûtez donc ce que, vous ce que vous thésaurisiez. Et dans le sahih de l'imam muslim, le hadith d'Abu Hurayrat radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ma min sahib zahabin wala fiddatin » لا يؤدي منها حقها الا كان يوم القيامه صفحت له صح صفائح, صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وزا حديث إفخيان Le hadith d'Abu Hurairah الله عنه rapporté par les mêmes musulmans dans son sahih dans lequel le prophète alayhi nous parle du sort qui est réservé à ceux qui ne donnaient pas la zakat de leurs biens que ce soit leurs biens, or et argent, que ce soit les bêtes qu'ils avaient en leur possession et pour lesquelles ils n'ont pas donné la zakat obligatoire. Il dit, alayhi salatu wassalam, toute personne qui avait de l'or et de l'argent pour lesquelles il n'a pas donné leur droit, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Le jour du jugement, cet or et cet argent seront des plaques de feu qui seront chauffées par le feu de l'enfer. Puis, elles brûleront, c'est-à-dire ces plaques seront placées sur ces personnes et brûleront leur front, leur flanc et leur dos. A chaque fois que ces plaques se refroidiront, elles seront chauffées une nouvelle fois et le brûleront une nouvelle fois. Ceci dans un jour dont la durée est de cinquante mille ans. La durée du jour dernier est de cinquante mille ans, chers musulmans et musulmanes. On ne parle pas d'un châtiment d'une heure ou de deux heures d'un jour ou deux d'un mois ou deux d'une année ou deux on parle de cinquante mille ans ceci est le châtiment que subiront ces personnes بالله, durant le jour dernier que dire du châtiment qu'ils subiront et qui les attend lorsqu'ils entreront en enfer dans un jour dont la durée est de cinquante mille ans Jusqu'à ce qu'il soit jugé entre les serviteurs, et qu'il verra alors son chemin soit vers le paradis ou soit vers l'enfer. Abu Huraira, il a été dit Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, et qu'en est-il des chamelles Il a dit Alayhi wasalam, Wala sahibu ibilin, لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطاه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, et qu'en est-il de celui qui possède des chamelles Il a répondu, alayhi salatu wassalam, quant à celui qui possède des chamelles, et pour lesquels il n'a pas donné leurs droits c'est-à-dire la zakat obligatoire, Et parmi ses droits, le fait de la traire et de distribuer le lait à ceux qui croisent le troupeau de chameaux quand il est quand il va abreuver dans un point d'eau, c'est ce qui se faisait au temps du prophète Alayhi Salatu Wassalam lorsque l'on amenait les chameaux à l'abreuvoir pour qu'ils boivent de l'eau cela faisait en sorte qu'ils avaient un surplus de lait Ils étaient donc ces chamelles étaient donc traites et souvent des nécessiteux se plaçaient au niveau de ces points d'eau et ceux qui possédaient ces chamelles leur donnaient du lait qu'ils venaient de traire Celui qui possède donc des chamelles, et pour lesquelles il n'a pas donné les zakat, le jour du jugement, il sera jeté face contre terre dans un désert immense. Et ces chamelles, accompagnées de leurs chamelots, de leurs de leur chamelons, le piétineront et le morderont. Aucune de ces chamelles ne manquera à l'appel. Dès que la dernière chamelle sera passée sur lui, en le piétinant et en le mordant, la première recommencera à le piétiner et à le mordre. Dans un jour dont la durée est de cinquante mille ans, Jusqu'à ce qu'il soit jugé entre les serviteurs. Il lui sera alors montré son chemin, soit vers le paradis, ou soit vers l'enfer. Et ils ont dit Ya Rasulallah, Fel Bakar Walranam. Ils ont dit Oh envoyé d'Allah, et qu'en est-il des bovins et des ovins? ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا غضباء تنطحه بقرونها وتطاه باظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار <chat> Prophète عليه الصلاة والسلام a répondu « Et toute personne possédant des ovins, des bovins et des ovins, Pour lesquels il n'a pas donné leur droit, c'est-à-dire il n'a pas donné la zakat obligatoire, il sera présenté le jour du jugement face contre terre dans un désert immense. Il n'y a pas une bête qui manquera à l'appel. Ces bêtes, que ce soit les bovins ou les ovins, aucune d'entre elles n'aura de corde brisée aucune d'entre elles n'aura de cornes tordues aucune d'entre elles ne sera dépourvue de cornes elles le frapperont de leurs cornes et le piétineront et lorsque la dernière de ces bêtes le piétinera et le frappera de sa cor de ses cornes la première reviendra à la charge dans un jour dont la durée est de cinquante mille ans, jusqu'à ce qu'il soit jugé entre les serviteurs, il verra alors son chemin, soit vers le paradis, ou soit vers l'enfer. Il y a des péchés qui, pour celui qui les commet, billah, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parlera pas le jour du jugement. Il ne le purifiera pas, il ne le regardera pas et il subira un châtiment douloureux. Quant à ceux qui commettent ces péchés, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parle pas le jour du jugement comme il dit, c'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ta ne leur dira pas des paroles qui leur seront profitables. Il ne leur dira pas des paroles qui les réjouiront ou des paroles par lesquelles ils comprendront qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est satisfait d'eux car Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera aux gens de l'enfer. Mais ces paroles avec lesquelles il s'adressera à eux subhanahu wa ta'ala seront des paroles dures, qui montreront qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait d'eux, comme, comme il nous en informe subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dira aux gens de l'enfer, il dit, soyez humiliés et ne me parlez plus. Quant au fait qu'Allah ne les regardera pas le jour du jugement, c'est-à-dire qu'il ne leur portera pas un regard particulier, le regard de la miséricorde et de la pitié, mais Allah subhanahu wa ta'ala les verra bien sûr, car rien car n'échappe rien au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait qu'Allah ne les purifiera pas, c'est-à-dire qu'il ne les purifiera pas de leurs impuretés, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fera aucunement leur éloge. Et ces personnes qui subiront cela, le fait qu'Allah ne leur parlera pas, ne les purifiera pas, ne les regardera pas et ils subiront un châtiment douloureux, sont deux différentes catégories. Il y, aura, il y a ceux qui cachent ce qu'Allah a révélé dans son noble livre. قول الله عز وجل إن الذين <سؤال> يكتمون ما أنزل <سؤال> الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كاش سكاشك الله في ديسوند ليفر Et le vent d'un vil prix, c'est-à-dire pour en tirer un profit mondain, cela ne s'emplisse le ventre que du feu. Allah ne, leur adressera, Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Et dans le hadith d'Abu Hurairah, Rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan. Il dit Alayhi salatu wa salam men Suila al an al-'ilmin alimahu, thumma katamahu, uljima yawm al-qiyamati bilijam min nar. Toute personne qui sera questionnée sur une science qu'il connaît, puis la cache, on lui mettra alors dans la bouche un mort de feu le jour du jugement. Le mort, M-O-R-S, est cette pièce métallique qui est placée dans la bouche du cheval et qui sert notamment à maintenir le filet et à guider ce cheval. Ceux qui subiront également ce châtiment et cette humiliation le jour dernier, ceux qui rompent le pacte avec Allah Subhanahu wa Ta'ala et le vent vil prix, ils jurent en mentant afin de percevoir un bien mondain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans le delà. » Et Allah ne leur parlera pas ne les regardera pas au jour de la résurrection il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux ceux qui rompent le pacte avec Allah ceux qui désobéissent à Allah ils savent ce qu'Allah a ordonné ils savent ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a interdit ils savent ce à quoi ils doivent croire et ce qui fait partie de la croyance musulmane mais ils délaissent tout cela pour un vil prix et pour s'approprier et pour obtenir une chose vaine de ce bas monde billah. البخاري رابور الصحيح دون الحديث د دو عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله Dans le hadith de Abdullah ibn Abi Aufa, il rapporte qu'un homme faisait la promotion d'une marchandise dans le marché. Il a juré par Allah qu'on lui a donné et qu'on lui a proposé telle et telle somme alors que rien ne lui a été proposé. Ceci afin que cette marchandise soit vendue. C'est alors qu'est descendue la parole d'Allah Azza wa Certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment. Et dans le hadith rapporté par l'imam muslim, le prophète nous parle de ce qui est réservé à celui qui ment, qui jure en mentant dans le but de vendre sa marchandise. Car il sait que s'il jure par Allah, les gens le croiront. Et ainsi il pourra écouler sa marchandise à sa guise. Le hadith d'Abu Dharr, radhiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit Thalathatun, la يكلمهم الله يوم qiyamah. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره والمنّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Le prophète a dit Trois types de personnes, Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement. Il ne les regardera pas, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Abu Dharr a dit Le prophète a dit a répété cette phrase à trois reprises. Puis abou a dit, ils ont connu la perte, ce sont les perdants au oh, envoyé d'Allah, mais qui sont-ils Il a répondu, alayhi salatu wassalam, al-musbilu izara, celui qui laisse traîner son vêtement en dessous de la cheville. wal-mannan, al-mannan, c'est celui qui fait un don à une personne, puis par la suite cite ce don à cette même personne dans le but de lui porter préjudice, et celui qui vend sa marchandise en faisant des serments mensongers. Dans ce hadith, il y a donc trois catégories. Celle qui nous concerne est celui qui, qui jure par Allah en mentant. Mais il y a aussi celui qui laisse traîner ses vêtements en dessous de la cheville. Et ceci concerne les hommes. Quant aux femmes, elles ne sont pas concernés par cette interdiction. Et malheureusement, nous constatons surtout à notre époque que de plus en plus de musulmans font preuve de laxisme sur ce sujet qui pourtant est extrêmement important et grave, car le châtiment qui en découle n'est pas un châtiment minime ce n'est pas un châtiment qu'il faut prendre à la légère certains lorsqu'ils sont conseillés en leur disant le vêtement du croyant comme l'a dit le prophète alayhi est à la mi-mollet et s'il descend qu'il descende jusqu'à la cheville et tout ce qui dé dépasse la cheville sera en enfer. Lorsque l'on conseille les musulmans sur le fait de lever leurs pantalons afin qu'ils soient au-dessus de la cheville et non en dessous, certains brandissent un argument qui est de plus en plus apporté à notre époque en disant ceci, est un sujet de divergence entre les savants. Certains savants ont dit que l'interdiction est avérée pour celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil. Quant à celui qui ne le laisse pas traîner par orgueil, il n'entre pas dans cette interdiction. La réponse à ce genre d'argument est tout d'abord de dire oui, c'est un sujet de divergence entre les savants. Et celui qui a goûté ou senti l'odeur du fiqh, de la jurisprudence, saura que c'est un sujet de divergence entre les savants. Mais est-ce que la divergence entre les savants est une preuve, est un argument qui permet de couper court à une discussion La réponse est non. Oui, les savants ont divergé. Mais il y a des textes qui sont clairs. Des textes dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam, menace du feu de l'enfer pour celui qui laisse traîner, pour les hommes qui laissent traîner leurs vêtements, quel que soit ce vêtement qu'ils portent. Que ce soit un camis, que ce soit un izar, que ce soit un pantalon ou autre. Qu'il est en enfer sans que le prophète wassalam, ne parle de l'ostentation et de l'orgueil. Il y a même des hadiths dans lesquels le prophète dit que le fait de porter des vêtements qui dépassent la cheville fait partie de l'orgueil. Effectivement, c'est un sujet de divergence. Comment doit réagir le musulman et quelle position doit-il adapter lorsqu'il se trouve face à un sujet dans lequel les savants ont divergé. Pour répondre à cette question, il faut des heures et des heures de conférences pour expliquer ce sujet. Mais il y a des cas et des sujets dans lesquels la conséquence est grave. Ici, l'on parle du feu de l'enfer. L'on parle du fait qu'Allah ne nous parle pas le jour du jugement, qu'Allah ne nous regarde pas, qu'Allah ne nous purifie pas d'un châtiment douloureux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Oui, les savants ont divergé. Mais pourquoi ne parlons nous pas de ce sur quoi les savants sont unanimes? Sur le fait que porter des vêtements au-dessus de la cheville est une chose louable, c'est ce qu'a fait le prophète ﷺ. Risquer son au-delà pour quelques centimètres de tissu est une chose insensée. Qu'est-ce que cela coûte Et quel effort cela demande-t-il à un homme de porter des vêtements au-dessus de sa cheville Parfois il s'agit de 2-3 cm de tissu. Pour 2-3 cm de tissu, tu mets en péril ton au-delà. Et tu t'exposes à ces châtiments que l'on a précédemment cités. Quelle raison amène un musulman à agir ainsi L'on parle de divergence, mais où est la piété d'Allah subhanahu wa taala Où est le fait de délaisser les choses ambiguës, surtout lorsque cela est possible, par crainte de tomber dans l'interdit C'est notre façon de raisonner, notre façon de comprendre les choses qu'il faut revoir. La science, son but est d'atteindre la piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un musulman ou une musulmane apprend sa religion, c'est pour s'éloigner de l'ignorance pour mieux connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala afin de mieux l'adorer, de mieux connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala afin de le craindre, de mieux connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala, de savoir ce qui nous a ordonné, ce qui nous a interdit. C'est le but de la science. La science, ce n'est pas apprendre pour accumuler des connaissances. La science est un moyen qui permet d'arriver à un but qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la réforme de sa personne. Pour cela qu'Allah dit Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Et le véritable savant, c'est celui qui a réuni entre la science et la crainte d'Allah Azarajel. Car il y a des savants qui ont accumulé de la science, mais cette science sera une preuve contre eux, le jour du jugement, comme nous en a informé le prophète. Le véritable savant est celui qui apprend la science avec sincérité, qui éduque sa personne et enseigne cette science et éduque autrui. C'est notre façon de concevoir les choses qu'il faut revoir. Pourquoi toujours rechercher le minimum Pourquoi toujours se contenter du strict minimum Pourquoi toujours marcher sur cette ligne rouge Pourquoi ne pas s'éloigner de tout cela et faire preuve de piété et de crainte Allah subhanahu wa ta'ala arrêtons de toujours demander est-ce que ceci est obligatoire ou est-ce que ceci est recommandé la seule question qui doit nous préoccuper c'est est-ce que le prophète sallam l'a fait oui alors je m'empresse à le faire pourquoi nous contentons-nous toujours du minimum Avons-nous amassé des bonnes actions tellement grandes que l'on peut se permettre de se contenter du minimum dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsqu'un musulman lit un hadith comme celui-ci, du prophète salahu, que celui qui laisse traîner ses vêtements en dessous de ses chevilles. Il risque d'entrer en enfer. Il s'empresse de mettre en application ce hadith du prophète alayhi Car c'est une chose aisée, c'est une chose simple qui ne lui demande pas beaucoup d'efforts. La troisième catégorie de personnes citées dans ce hadith est Al-Mannan. Allah Azzawajal a dit, Amanu, la wal ô vous qui avez cru, n'abolissez pas et ne rendez pas caduque vos aumônes à cause du man. Le man qui signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de donner un bien à une personne de donner une aumône puis de revenir plus tard et de dire à cette personne tu te rappelles quand je t'ai donné telle et telle chose ou lorsque cette personne était dans le besoin puis qu'Allah Azawajal l'a enrichi ce donneur vient par la suite en disant soit à la personne directement ou soit à une tierce personne un tel je lui ai donné tel et tel aumône, un tel, je lui ai donné tel et tel bien, dans le but de porter atteinte à cette personne, dans le but de la déstabiliser, dans le but de lui porter préjudice. Ceci fait partie des grands péchés en islam. Lorsque tu donnes une aumône, tu la donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne reviens pas dessus. Tu... N'espère pas en tirer profit de cette personne à qui tu as donné, en lui disant « Te rappelles-tu quand je t'ai donné telle et telle chose ?» Ceci n'est pas le comportement d'un musulman. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera à citer les autres catégories de ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala regardera, ني ندرسها لا قهول، ني نبيري فيرا ججمان والعياذ بالله، وكيوغون ان شاتمو ان الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.